On va déjà se remettre où on était. Coucou! Je sais pas si vous me voyez. J'ai le même problème Twitch qu'hier, tiens. Je sais pas si vous m'entendez ou me voyez. Ah, j'en déduis que vous me voyez. Tant mieux. Hop, je fais pause. Comment vous allez? Mes petits bébous! Mes petits bébous! Alors attends, 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 parce que du coup, j'aimerais bien. Oula, calme-toi, calme-toi. Je vais, hop, actualiser, comme hier, en fait, on va faire la même. On va faire la même. Puisque Twitch, maintenant, il me courrousse. Twitch, il aime bien me courroucer. C'est son nouveau truc. Voilà! Voilà! Bon, ça, mec, vous êtes zéro, mais au moins, je vois mon débit. C'est déjà mieux. Comment vous allez? Attends, 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 faut pas que je me... Hop, 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 hop. Tout va bien, c'est bon, je retrouve ma souris, tout va bien. Ah, bon! C'est chiant, ça, hein? Bon, ça, mec, vous êtes zéro. C'est quand même... C'est dépitant, mais bon. C'est pas le plus important, clairement. Vous allez bien? Ah, bah, écoutez, vous m'envoyez ravi. On continue Sherlock, aujourd'hui. J'ai mes petites modos qui vont m'aider et me guider, etc. Si j'ai besoin. Parce que la dernière fois, on s'est arrêté alors que j'étais un peu perdue, hein. On était allé chez un riche et on savait qu'il faisait des entourloupes, tu vois, mais on n'arrivait pas à le prouver. Du coup, je savais pas où fallait que j'aille. Donc, c'était un peu la merdouille. Et puis, puis voilà, heureusement, mes modos, du coup, elles ont fait un document que je n'ai pas vu, mais si elles doivent me guider, elles savent quoi dire. Au top, son anniversaire. Bon anniversaire, Louane! Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Je suis allée me balader dans le centre-ville cet après-midi. Je suis allée faire des petits achats chez Sephora. Bon, pour un recourbe cils et une éponge de fond de teint, là. Et chez Lush, où là, j'ai craqué un peu plus. Quel beau rouge à lèvres. Ah, on le voit encore? Bah, tant mieux. Ouais, j'étais sur la page et le stream s'est pas lancé. Mais je sais, Wattel, il y a un gros bug, en fait. Le stream s'était pas lancé. J'ai vu tout le monde dire coucou Thibaut, donc je me suis dit qu'il y avait un souci. J'ai relancé la page et c'est bon. Mais pareil, j'ai dû actualiser. Je sais pas pourquoi. Ça m'avait parlé hier. Ou genre, quand du coup je lance, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Bah du coup, il faut actualiser. Je m'en suis acheté une moumouche et des savons. Bon! J'ai avancé un petit peu l'heure du stream par rapport à d'habitude parce qu'à 19h, il y a une sortie d'une palette que je veux m'acheter. Du coup, il faut pas que je... À moins 5, il faut que je sois partie, d'accord? Allez, moins 3. Mais il faut que je sois au taquet pour être pas là à 19h. Je compte sur vous pour me rappeler de partir. Je compte sur votre amour, par-delà l'envie de voir le jeu, d'accord? Moi, j'ai craqué ma vie à Sephora. Oui, ouais, clairement, ouais, t'as pété un câble. Mais t'as besoin, ouais, ça fait toujours du bien. Un petit peu. Est-ce qu'on n'attaquerait pas, du coup? Mais du coup, je sais même pas si les notifs sont envoyés, Oh, Perlou, c'est chou. Je suis là avant la notif. Mais je sais pas si du coup il n'y a pas un bug aussi avec les notifs ou quoi. Tu vois, je sais pas. Je viens de recevoir la notif. Ouais, faut un peu de temps, j'ai l'impression, hein. Et moi, je viens d'avoir un chiffre qui s'apparaît. Donc, Twitch, il est au ralenti en fait. Il est en mode, oui, mais moi, je marche pas très très vite. Je marche à ma vitesse, hein. J'ai pas eu la notif en tout cas. C'est pas que... Ouais, mais voilà, je pense qu'il faut quelques minutes. Il est moins dans l'instantané que d'habitude. Missy s'est envoyé. Ah, Mimi, il est brave. Mimi, il fait grève. Ah bah ben non, Mimi, il a bossé. Mimi, il a bossé. C'est grave si j'ai pas vu le premier. Tu risques de pas tout comprendre, mais je pense pas que ce soit dramatique. C'est bon pour Twitch. Yes! En même temps, si Twitch marchait, faudrait aussi... Ah, j'ai pas la fin de ta phrase, Virginie. Moi, j'ai vu 17h, toi, j'ai lancé Twitch. Ah, mais c'est ça, mes mouches, vous êtes au-dessus du game. Ceux qui sont là avant les notifs, vous êtes au-delà de ce que je pense qu'on peut espérer d'un viewer, hein. On va revoir Gavroche. J'espère! Gavroche, il manque... Alors, je sais qu'aujourd'hui... Oui, alors, ça, Wattel, elle m'a dit. Aujourd'hui, apparemment, je vais avoir une course-poursuite. Stressante, et je risque de mourir. Voilà. Donc, je sais déjà que je vais pas aimer la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, du coup je vis pas très très bien.
Mais bon, que ne ferais-je pour vous, hein? Voilà, on va mourir, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ou alors on va pas mourir et je vais être la best du game, c'est possible aussi, hein? Mais bon, dans le doute, voilà, préparez-vous émotionnellement à potentiellement m'entendre gueuler déjà et potentiellement me voir mourir, voilà. Enfin, pas moi, moi, parce que là, ça serait un peu traumatisant, je pense, mais... Voilà, c'est possible que je crève, quoi, voilà, disons que c'est possible. C'est... Combien de morts dans ce stream, lancez les paris. Kirumi, bah, hé, tu n'as pas foi en moi. Non, en vrai, t'as raison. En vrai, bah, tout, c'est vrai, à chaque stream, il meurt une fois. Ça va être la même, hein. On n'a pas commencé, on sent déjà le stress qui est là, c'est ça. Après, je peux pas, c'est tout de suite. Là, déjà, on va aller voir notre petit copain. On va retourner dans la maison du petit haut, là. Et d'abord, je vais me changer, parce que là, je suis habillée bourgeois, voilà, on va... ça me stresse les portes qui restent ouvertes, par contre, ça me... Je vous ai même pas demandé si on attaquait. Kate n'apprécierait pas que j'entre dans sa chambre à son insu. Ah oui, c'est Kate, c'est notre fille, c'est vrai qu'on a une fille. Mais je vous ai même pas demandé si on y allait, j'ai relancé moi-même. Mais là, ça va, c'est le temps de se changer, donc on n'y va pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est du... On y va du petit doux, tu vois, c'est soft. Ah, non, d'abord les vêtements. D'abord les vêtements, après la tête, tu vois. Pour envie un autre let's play, ça vaudra grave le coup cette course-poursuite. Super. J'ai hâte. Alors, bah on va changer, hein. Ouais, par-dessus, marin, intérieur, négligé, docteur, bandit, pasteur, tenue de sport, complet usuel. Mettons-nous en par-dessus. En par-dessus, c'est bien. Un petit par-dessus. Par contre, on va changer de tête. Parce que là, ça allait bien dans la noblesse bourgeoise. Mais là, on va dans le bas-peuple. Là, on va voir. Enfin, pas dedans, mais on va voir le bas-peuple, tu vois. C'est. Là, il faut un chapeau. Oh, c'est pas mal, ça. Pas de lunettes. Et niveau barbe, non. Quoique, là, niveau bas-peuple. Là, il fait bien. Pédophile. Hein? Là, il y a bien un côté. Ou alors tueur d'enfants. Mais il y a quelque chose avec les enfants, en tout cas. Hein. Non mais pas un berbe. Un berbe il fait vraiment minot. Sinon je le mets en mode tueur d'enfant hein. Au moins on le fera pas chier hein. Non là c'est bien, franchement celle-là c'est la plus simple. Qu'est-ce que tu donnes? Vas-y montre-toi. Il est correct, il est correct. Je suis pas très très convaincue du chapeau. J'avoue que le chapeau attends je vais refaire le chapeau. Je suis pas convaincue du chapeau. Oh non pas sans barbe Cristal. Après il fait bébé. En même temps, t'as vu ce qu'il me propose Ouais, bah en fait... Oh si, il faut un chapeau quand même. Faut un chap-chap. J'aime bien celui-là, mais ça va pas du tout avec le thème. Bon, allez, vas-y, on va faire vraiment du peuple. Faisons du peuple un peu crade, tu vois. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est bien, il y a un côté marin... Il a un côté, je me suis pas lavé depuis quelques jours, mais c'est parce que je suis un homme viril avec des fêlures, tu vois, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, il est bien dans l'actualité. Allez, on va voir, bah attends, du coup, c'est X, je crois. Eh, hey, je me rappelle. On va du coup à, je sais plus où il habite. Whitechapel, je crois que c'est ça. Hein. On dirait pas un peu un perso des animaux fantastiques. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il me plaît bien, hein. Peut-être, peut-être. Ramoneur de cheminée, le Sherlock. Tant que c'est que de cheminée. Faut que j'aille voir Tom. Ok. J'y vais. J'y cours, je vole. Je te vois bien avec l'accent marseillais avec un verre de whisky dans la main. Ah, je le vois bien, j'y cru moi. Tu vois bien avec un accent marseillais avec un verre de... Alors déjà, les Marseillais, c'est du pastis qui picole. C'est pas du whisky, donc... Ça me fait trop bizarre de pas voir Sherlock déambuler dans l'ombre avec son peignoir. CF Bob. Ah, j'ai pas vu. J'imagine bien Bob Lennon faire ça. C'est vrai que c'est tout à fait... Comment on court déjà? Ah voilà, courons un peu. Parce que... Ah, toujours là, lui. Mais dis donc, ça bosse dur. Bah non, c'est pour ça que t'es pauvre. Oh, une petite blague. Une petite blague de très mauvais goût. Hein, ça nous fera pas de mal. C'est où la porte, c'est ça? Je sais plus où c'est. C'est pas ça, c'est de l'autre côté. Ah oui, il y a mon petit coco, regarde. Alors, mon grand, comment ça se passe aujourd'hui? Explique-nous, raconte-nous un peu. Eh ben en fait, aujourd'hui, Martha... Oui, c'est très intéressant, mais tu veux que ce soit j'ai du travail, tu me diras la suite la prochaine fois. On retient, il parle de Martha, hein. C'est important. Martha, ça doit être sa femme. Je viens d'avoir la notif. Ah! Mieux vaut tard que jamais. C'est une notif tardive. Mais présente. Elle frappe avant d'entrer, ouais, j'imagine, en train de se tripoter ou je sais pas quoi.
T'as un peu de bonne manière là. Alors, je suis allée voir un vieux con. Petit homme pousse. Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père? Tom, pas si vite. Oui, non, pas si vite. Dis-moi, mon garçon. Step by step. As-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation? Un programme d'éducation? Non, monsieur. Il a parlé que d'un travail spécial. D'où vient cette boîte, Tom? Oh, je viens de la trouver, monsieur Holmes. Elle était bien cachée. Je me demande bien pourquoi. Bon, il a une voix de menteur. Je me doute pas qu'il mente, mais... Je me doute bien qu'il ment pas, mais il a une voix de mytho, hein. Examinons la boîte. On a trouvé une boîte, bravo, c'est un bon Tommy, ça. Je vais te donner de la bonne souplette. Il va avoir de la bonne souplette, Tommy. Alors, une clé. On vole la clé, d'accord, c'est un concept, hein. Je suis Prest Wolfjack. Je suis Prest Wolfjack. Ok. Bah, il est Prest Wolfjack. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être quelqu'un. Peut-être quelqu'un. Wolf. Ok. Tu peux monter le son du jeu. Ah, vous entendez pas assez bien? J'ai pas bougé par rapport à la dernière fois normalement. Bah, comme Tom. Dites-moi, sinon je fais pause et j'augmente. Ok. Donc, ça c'est fait. On peut voir les lettres en dessous? Ah, j'ai vu un truc ici, là. Oui, là, j'y étais. Un écouvillon. Pour nettoyer les fusils. Ah, je pensais que c'était pour les bibes. Eh ben non, c'est pas pour les bibes. Coucou Marie Deschouette, comment tu vas? Un petit peu. Ouais, mais Moumouche, il n'y a que toi qui dis. Il faut que j'ai l'avis de tout le monde. Il faut que j'attende. Parce que s'il n'y a que toi et que les autres, ça leur défonce les oreilles, tu vois ce que je veux dire. C'est. Moi, j'entends pas trop. Oui, un peu. Ok. Bouge pas. Ah non, mince, c'est pas ça. Voilà. Zoup, je vous augmente un petit poil. J'espère que ça va pas être trop fort après, mais je fais ce que je peux. Hein. Hop, c'est pas ça du coup. Hop. Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Il y a donc une arme quelque part dans le Schmilbeck. Hein. Y a quelque chose. Ok. C'est bon du coup? J'ai tout regardé? Ah non, c'est pas vert. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. Bah ça pourtant j'ai tout retourné. Ah, il faut peut-être que... Wolfjack, on dirait un insigne. J'avais pas cliqué pour qu'il parle. Ah bah je l'ai volé. Putain, mais je suis un voleur. Est-ce que ton père a un fusil? Un fusil? Non, il me le remontrait. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil. Je dois trouver ce fusil. RB. Un fusil. Un seau. Un liquide épais. Quoi? C'est un indice, ça? Ok. Tourner dans le vide, tourner dans le vide. Mais je peux pas le... voilà. Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Ah bah, il y a bien une arme, hein. Tom, est-ce que ton père dispose d'un autre logement? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil. Genre, le chien, il est si balèze que ça? Putain, super chien, quoi. Ok, bon bah, super. C'était rapide et efficace. Eh bah, écoute, rentrons à la maison. À Baker Street, on ramène le chien. Ah oui, tu m'étonnes, Marie, ça doit pas être facile. J'avoue, on a sniffé l'huile, quoi. C'était un sniffage comme un autre, hein. Par contre, le chien, t'imagines, il sent de l'huile, il trouve le fusil auquel il... Je crois pas. Je pense que c'est très romancé, là. Je doute pas de Sherlock, je ne doute pas de son chien, mais quand même un petit peu. un petit peu. Oh, merci Claire, j'avais pas vu pour ton sub prolongé. Un mois de plus encore, je t'aime très très fort, Matibou. Continue comme ça, t'es parfaite. Merci, je suis désolée, quand je suis en stream, j'ai du mal... Enfin, quand je suis en train de jouer à ce jeu-là, j'ai du mal à voir vos notifs. J'ai vu qu'il y a pas mal le dos droit, etc. Bah attends, je vais l'ouvrir sur l'autre truc. Hop. Comme ça, le dos droit de Calerian et de Baby Koala. Voilà, je vous ai remonté, comme ça je vois ce qui se passe. Oup. Continuez. Alors, mon chien, il est où le chien? Il est là. Allons, Toby,
Il est temps de gagner ta pitance. Oh, bah faut pas tout de suite là. Tout de suite on monétise son affection. C'est pas très très. Éducation positive, hein. Watson ? Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. Ok, donc tu viens pas avec nous quoi. Ok. Bah on se casse alors. Hop, et non. X, et on retourne à Whitechapel. J'ai mieux à faire que de promener Toby dans tout Londres. Ah, faut que je sorte à... Tu veux pas venir avec moi à Whitechapel? Attends, j'ai pas regardé ça. C'est quoi ça? Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. J'avais regardé. Hop, bon bah, on se casse alors. Mais faut que je prenne la piste d'en bas de chez moi? Le mec, il a la flemme de balader son chien, quoi. Mais c'est pas possible. Mon chien a aboyé quand il a entendu Toby. Sérieux? Sur Wolf Jack? C'est quoi Wolf Jack? Ah, sur la... Attends. Ah, avec l'épreuve? C'est ça? Mais comment je peux faire pour que le chien il sente ça? Je vois pas comment. Utilise le truc d'huile. Non, dans la biblio. Ah! Mais c'est pas comme j'ai pris le chien avec moi. J'ai cru que. Que le chien il venait avec moi quoi. C'était genre logique, le chien est dans mes bagages. Tu veux que je sache, moi, que le chien, en fait, je l'emmène pas. C'est un trompe-l'œil, c'est malhonnête, ça, madame. Consulte les archives de Sherlock. Ok. Ah, pour Wolf Jack. Ah bah voilà, examinez Wolf Jack. C'est malin, hein. Ou alors vous connaissez le jeu. un insigne militaire. Histoire. Napoléon. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Acte d'union. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Civilisation Maya. Non, ça je sais que non. Ok. Comment je me barre de là? Non, pas quitter. Ah voilà, non. L. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Il n'y a pas de militaire. Je découvre en même temps que toi, Thibou. Ah, Kitsuyolf. Un chien dans les bagages. T'as vu, c'est gelou. Recherche. Marque. Ah, un signe et médaille. Voilà. Wolf Jack, je suis presque. Bah voilà! Un Wolf Jack est une créature mi-loup, mi-lièvre. C'était le surnom que se donnaient les hommes du 1er régiment d'éclaireurs. Ce régiment devint par la suite le 1er régiment officiel de tireurs d'élite de l'armée britannique. Et voilà. Et voilà. Easy peasy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est bien avancé, tiens. J'ai trop hâte de voir la vidéo surprise de demain. Ah oui, demain matin, 6h30, c'est une vidéo. Sherlock, en vrai, quand il répète, il devient vite lourdeau. Ouais, un peu, hein. Et du coup, maintenant, je vois mon petit bébou. J'ai mieux à faire que de promener Toby dans tout Londres. Mais... Il veut pas... Mes archives. Je peux toujours les consulter si il nécessaire. Il veut pas... Retourner au logement de Hertz. C'est Hertz, c'est qui? C'est... Bah, c'est de là d'où on vient, mais il veut pas... Ah si, là, ok. J'avais pas vu qu'il y avait directement le logement. Ça c'est pour pas qu'on voie le petit vieux qui nous parlait de Martha. Non mais ça c'est... Il y a une petite volonté de sauter le petit vieux. Pas dans le sens physique et charnel bien entendu mais... D'ailleurs à propos de vidéo, parenthèse, mais samedi il y aura une vidéo importante. Où je parle d'un truc important. C'est logique hein. Il range pas ses archives, j'ai pas l'impression Morgane. Hein. C'est pas... Il est pas très ordonné hein. Oh le tout dieu. Oui c'est le chien chat. Oui t'as beau chien chat. Il a pas de laisse par contre, alors s'il trouve le truc... Cherche, Toby, cherche. Ah, c'est moi qui fais le chien. Ok. Ça va parce que Toby, c'est pas un énervé de la vie, c'est ça qui est bien. Oui. D'accord. Tu me suis, Sherlock, quand même, ou je suis vraiment livré à l'abandon? D'accord, et moi, tu me suis pas, quoi. Oh, je suis un chien très heureux de vivre. Je me déplace lentement et la vie mérite d'être vécue. On me dit d'aller vite, on me dit d'être un chien policier, mais moi, après tout, je fais beaucoup de philosophie.
Quand je cherche une piste, j'en profite pour méditer sur le sens de l'existence. Parce qu'en effet, on n'en parle pas souvent, mais est-ce que vraiment la vie sans un os est vraiment une vie? Je ne crois pas. Nous, en tant que Toby, je dois signifier que vraiment, la vie n'est pas si simple que ça. Et sans une bonne gastronomie et un bon transit, la vie vraiment, eh ben, elle vaut pas d'être vécue. Voilà ma philosophie de vie et je suis persuadée que vous êtes d'accord avec moi. Je tourne en rond, ce mortel et ce bipède étaient totalement stupides. Ah, ou alors il était bourré, c'est possible, les humains boivent beaucoup. Oh, attendez, je crois... Ah non, j'ai cru que c'était un petit vieux, mais c'est un croque-mort. La vie d'un chien, n'est-ce pas, est un grand moment de philosophie. Regardez, j'ai des petits plis de gras sur le dos, signe manifeste que je suis bien nourri. Je suis un chien heureux et épanoui, même si mon maître est un peu casse-couille et que vraiment il me fait faire des métiers ingrats, et qu'en plus il me laisse vraiment dans la rue tout seul, genre il me suit pas, quoi. C'est vraiment un maître un peu débile. Et comment je fais, moi, maintenant? Il y a deux pistes. Oh là là, vraiment, ma vie de chien est très compliquée. Ah non, c'est pas une piste. Ah si, c'est une piste. C'est quoi ce beans? Pourquoi il y a deux pistes? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ou alors c'est un guet-apens et si je vais là-dedans, je vais mourir. Si je vais mourir, dites à mon maître que je l'aime, même si il me traite comme un hot dog. Voilà. C'était Toby. Alors, c'est un échec? Ce n'est qu'un abri de jardin. Continuons. Mon maître est vraiment stupide! Il ne voit pas que ce n'était pas qu'un abri de jardin. En fait, à l'intérieur, il y avait un coffre au trésor caché derrière le mur. Vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Et moi, grâce à mon magnifique flair incroyable, je l'ai décelé immédiatement. Mais mon maître est trop stupide. Il pense qu'un chien, eh ben, ça doit juste chercher ce qu'on l'envoie chercher. Alors que pas du tout. On est des fins philosophes et de grands aristocrates. Par exemple, saviez-vous que la cuisson d'une saucisse devait se faire particulièrement de manière précise? Genre, un point après l'autre. Genre, pas percer les saucisses, sinon ça gicle et puis y a plus de gras à l'intérieur. Une bonne saucisse ne contient pas de gras, faite par un boucher de qualité. Et après, quand on croque dans la saucisse, tout nous explose dans la bouche. Et c'est vraiment très très bon. Y a rien du tout ici, qu'est-ce que je fous là? Je suis un petit peu con quand même, dis donc. Qu'est-ce que t'as fait? Bon bah, c'était une fausse piste, hein. Bon bah voilà, je remis de... Bon bah, c'est pas là. Peut-être que si, je m'acharne parce que je suis un chien têtu. Mais j'ai l'impression que je suis têtu pour rien. L'homme que je suis était donc ivre. Il a marché dans l'herbe folle et il a fait demi-tour. Oh là là, c'est bien ma bête. On me fait suivre des hommes étranges. On me fait jamais suivre un boucher ou un fromager. Oh, une bouteille de bière. On me fait suivre que des alcooliques. C'est vraiment difficile, la vie de Toby, croyez-moi. Hein. Ah, moi, non, mais vraiment. Hein. Je mets la voix à force de faire ça. Merci, Miss Matosha, pour ton sub. Oh là là, je me promène. J'espère vraiment finir par trouver ce sous-fusil parce que sinon je vais risquer de plus savoir quoi dire au bout d'un moment. Et quand même, la vie est longue. Je suis perdue. Il n'y a rien à suivre dans ce monde. La vie est donc si fade. Là, il y a quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Oh là là, je suis si douée. J'ai trouvé une porte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bravo Toby. Franchement, on peut dire bravo Toby, hein. On dirait un drogué, hein. On dirait pas un pédophile, tu vas me dire, c'est déjà ça? J'ai besoin d'eau, là. Parce que clairement, la voix de Toby, elle m'a tué un peu. Allez, on casse la porte. On s'en bat les couilles. On a les clés. Ah bah oui, on a les clés, c'est vrai. C'est donc bien le bon endroit. Et maintenant, on a laissé notre chien dehors, quoi. Bon bah, Toby, garde la porte. Hein, tu... T'inquiète pas. Je m'acquitterai de ma mission avec délicatesse et raffinement. C'est un bon Toby, hein. Si je commence à faire des dialogues entre Sherlock et Toby, par contre, on n'est pas rendu, hein. Clairement, on peut dire bravo Toby, hein. Je pense qu'on peut se le permettre, hein. Wouhou! Mais il y a foule de choses. On va commencer par là-bas. Parce que là-bas, c'est une impasse. Autant commencer par le bout de l'impasse. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans le coffre. Là, ici, il n'y a rien. D'accord. Allons-y. Déjà, ici. Rien qui soit digne d'intérêt. Tu juges un petit peu trop facilement le livre à la couverture, jeune Sherlock, hein. Cette cave sert d'entrepôt. Bravo, j'allais dire bravo Sherlock. Bah bien sûr, mais c'est Sherlock, donc c'est normal, hein. Et oui, mais c'est vrai. C'est, même moi, j'aurais pu le déduire, ça, quand même, hein. Oh, il y a un trou. Ce n'est pas la bonne cave. Ah, ah bon, ça c'est...
J'ai regardé dans le trou, mais ce n'était pas la bonne cave. Oh là 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 là. Bah, c'est... Je crois que d'avoir joué Toby, ça m'a vrillé la tête. I am not myself anymore. Des vieilleries. Mais comment tu... Juste trop vite, ça se trouve, wesh, à droite, il y avait un gros coffre avec plein de tunasses. Rien de particulier. Parce que tu crois le gars, il va poser son arme pile en face de la serrure juste pour que tu saches exactement où c'est, quoi. Ah bah, apparemment, oui. Une photo de Tom. Essayons d'entrer. Bah, c'est oui. Insérer un ou plusieurs crochets pour soulever là où les lames et libérer le passage. Et qui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? X, passer au crochet. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Attends. Oh, j'ai réussi ! Ok. Ok, alors j'ai pas compris, mais ça a marché. Donc, tant mieux. Hein. Wouh ! Mais c'est que c'est bien rangé. Alors, il y a un truc qu'on peut pas enlever au père de Tom, c'est qu'il range ses affaires. Hein, regarde-moi ça. C'est très très bien ordonné, ça. Fouillons un peu tes affaires. On va pas du tout respecter ta vie privée, mais en même temps, t'as disparu, donc... Yume, actualise. Il faut que t'actualises pour entendre bien. Ça arrive des fois que ça bug. Il y a un masse truc à trouver. Ah, super. Petite île, c'est vrai. Mon cher Tom, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Ah, cool. C'est pas Tom qui la lit, donc peut-être que... Je suis navrée que les choses en soient arrivées là, mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant et je suis très fière de toi. J'espère qu'un jour tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Garde espoir, tâche d'être heureux, car un jour, tu deviendras un... Ah, j'ai pas vu. Attends. Ah, je peux pas voir. Attends, bah oui, mais j'ai pas fini de lire. Oh, bah ça devait être un mec bien, je suppose. Des coupures de presse sur les lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici ? Lord Marsh ainsi que ses amis Lord Harrington et Lord Collins sont les fondateurs du programme spécial d'éducation. Aidant les pauvres à se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux, ces gentlemen rendent un fier service à notre société en proie à bien des difficultés. Et du coup, je peux lire la suite ou... Mais cul, hein ! Ils veulent pas me faire lire la suite, hein. Comment on fait pour tourner la page ? Ah, voilà. Donc attends, tu deviendras un homme, bah c'est mieux, hein, parce que s'il devient un canidé, ça va être un problème, et plus tôt que tu ne le penses, tu ne seras pas seul, ta maman et moi, nous veillerons sur toi depuis les cieux, ton père qui t'aime. Voilà, on a eu la fin de la lettre. Vous êtes content maintenant ? Ah, bonne humeur, hein. Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. Ah, on a déjà découvert ça ! On l'a vu chez Lord Machin. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strawbridge a disparu. Comparons les noms de la liste de Marsh avec ceux de la liste de Hearst. Ah, c'est moi qui dois comparer ? C'est moi qui dois faire le travail ? Ah, ça va, tu peux te débrouiller quand même. Bon, d'accord. Alors, Daniel Jones, il n'y a pas de Daniel. Il n'y a pas de Daniel, il n'y a pas de David et il n'y a pas d'Edgar. Donc, comme ça, c'était rapide. Robert Taylor, on n'a pas de Robert. On a William Thatcher. William Thatcher, ici, voilà. Ce nom apparaît dans les deux documents. Ah ben, qu'est-ce que je fais bien mon travail, hein. Thomas Kelly, idem. Il y a des dates à côté quand même, hein. John Thomas, non, c'est John Strawbridge que je cherche. Orson, Oswald, il me faut un Patrick, un John et un Reginald. Reginald Staple, très bien. Ça coïncide quand même drôlement, hein. Oui, j'ai vu qu'il y avait Enola Holmes sur Netflix. Il est sur ma liste, ouais, regardez. John et Patrick. Patrick Tanner. Et du coup, il manque John Strawbridge. John Strawbridge. Tout le monde est trouvé. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hearst. Je suppose qu'ils sont morts, du coup. Je suppute que ça pue. Ça sent pas très très bon pour leur cas, hein. Ah, il y a un truc qui s'est déclenché niveau... Oh, j'aime pas ça m'oppresse. Vas-y, monte tes indices. Wow. Disparition. Lettre d'adieu. Club. Travail spécial, région d'éclaireur.
Ah non, c'est pas ça que je voulais en fait. Attends. Manon, coucou. T'as d'autres trucs à trouver. Ah, ok. Ça me laisse une excuse pour pas m'en occuper tout de suite. Je déteste ces trucs là, ça m'énerve. J'aime pas, j'ai pas la patience. Oh, un porte-manteau. Ça c'est important comme indice. Il y avait quelque chose sur ce support. Bah oui, un porte-manteau quoi. Il y avait un manteau. Les lettres. Wow. Cher Georges, comme je te comprends et quelle tristesse. Tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail, même pour quelques heures. Mes enfants n'ont rien à manger. J'ai commencé avec une voix bourgeoise, mais du coup ça va pas. Quand j'essaie de trouver quelque chose, des patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirmes. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous a abandonnés ensuite. Personne sans souci. Ton ami Jack. Ok. Au nom de Sa Majesté la Reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, je sous-signais Frédéric Russell, Burnham, major de l'armée britannique, déclare. La nation fait état de sa gratitude envers George Hurst, honorable soldat du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour sa vaillance au cours de son service militaire. Médaille de conduite distinguée et le démobilise en raison des blessures suite au combat. C'est intéressant comme histoire. Genre le sort des anciens combattants après les guerres. C'est intéressant. Hein. Truc de cartouche, non? Je pense qu'il faut que je tourne. Pourquoi il veut pas me le... Ah, peut-être comme ça. Ouais, trouvé. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Il est doué, hein, Sherlock, hein, mais y'a pas à dire, hein. Pas de problème, hein. Oh. Oh là. Oh non, me dis pas qu'il va falloir que je fasse toute la carte. Ah non, ça va, il le fait tout seul. Ah, ça, si. Ça me rappelle une mauvaise expérience passée, ça. C'était quoi? C'était pas... Non, c'était pas... C'était Détroit. Ah, oh, c'était tellement chiant, ça. Je veux pas ce que je cherche. Ah, je peux déplacer LB. Attends, LB, allez. LB. Ah, voilà. Ayons des... Je sais pas ce que ça fait, mais je... Je change pas grand-chose. C'est bien ça, L. LB, bah oui. Il se pose des questions, ça veut dire il réfléchit. Le nom en haut à gauche. Non, c'est pas ça. Ah, 100 LB. Ah. Ah. Ah, oui. Une carte de la forêt des Ping. Tout ça pour ça? Mais tu te fous de ma gueule. Qu'est-ce qu'on sent? Sherlock, tu me... Hein? Tu me courrousses, hein? Y'a quelque chose d'autre? Bah c'est bon, on a fini, là. Bon, bah... Et maintenant, faut que je fasse mes indices. Non, on n'a pas fini? Comment ça, on n'a pas fini? Comment ça, on n'a pas fini? Bah si, on a fini. Regarde, y'a plus rien. Y'a plus rien nulle part. Utilise la concentration au l'œil pour voir qu'il y avait un fusil. Ah! Ah mais faut pas tout me dire. Enfin faut me dire mais pas tout. D'accord. Il y avait un fusil ici. George Hurst l'a emporté. C'est pour ça qu'il y avait LB. Il faut juste me dire trouve George Hurst tu vois dans ce cas. Enfin trouve juste me dire utilise RB. Il faut pas me dire ce qu'il va y avoir après. Sinon j'ai plus la surprise de la découverte. Bon même si c'est une surprise un peu nulle là mais Ok mais bon bah du coup là faut que je fasse le machin là. Alors attends. Blessure. Regarde tout ce qu'il y a là. Disparition. Disparition, ça dit quoi? Attends, attends. Ok, préparatif. C'est bien. C'est important, hein, ma foi. OMG, toutes ces preuves, bon courage. Oh, comment il sait que c'est Georges qui l'a pris? Bah, c'est son fusil, c'était chez lui. Donc, Attends, travail spécial de Hurst. Ah, j'avais déjà fait. C'était quoi, travail spécial de Hurst? 3 semaines, elle a toujours fait un travail spécial et a disparu. Je pense pas que ça va marcher. Non. Vas-y, je vais tout... Oh, ça a marché! J'ai fait un truc! J'ai même pas vu sur quoi j'avais cliqué! Violence. Le travail spécial de George Hurst est sans doute de nature violente puisqu'il a emporté son fusil. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est un très bon... Très bonne déduction, Sherlock. Encore? Ah oui, bah oui, encore, bien sûr. Liste d'indigents. Ah là, il doit y avoir un truc.
Non, c'est pas ça. Ça. Non. Tout se fait faire, disparition. Oui, là c'était facile. Là c'était facile. Hop. Tous les participants du groupe S du programme spécial d'éducation pourraient avoir disparu. Oui, c'est une preuve. C'est une grosse, grosse preuve. Une preuve honnête, quoi. C'est... Et c'est tout mettre ensemble. Ah, mais t'inquiète pas, c'est prévu. C'est bien, on a des trucs illimités, alors on va pas se priver, hein. Club Quatermain. Ça? Non. Ça? Non, c'était sûr. Ça? Non plus. Et, oui, ça non plus. Non, mais comme ça, ça me fait moins de c'est, hein. Lettre d'adieu. Blessure, non, ça n'a rien à voir. Avec le travail spécial. Des fois, non, mais en vrai, quand tu relis un peu, ça va mieux. Ça va mieux, tu vois. George Hurst savait qu'il n'avait aucune chance de revenir de son travail spécial, c'est pourquoi il a écrit une lettre d'adieu à Tom. Moi, je dirais ça, hein. Mais il l'a pas... Mais en même temps, c'est complètement con. George Hurst a écrit une lettre d'adieu, mais il l'a pas donnée à Tom, il est peut-être encore en vie. Mais il peut pas l'avoir donnée à Tom s'il est mort. Il a dû se douter plutôt qu'il enquêterait et que du coup, il trouverait, quoi. Je pense, hein. Moi, je pense ça, hein. Je pense qu'il est mort, hein. Je veux pas être défaitiste, mais genre, tous les gars qui étaient sur la liste, ils ont disparu, alors... ça pue, quoi. Pourquoi je reviens à chaque fois? Je me fatigue, moi-même. Liste d'indigents, certains de la liste trouvée dans la livre... Ouais, ça doit y avoir un truc. Ouais, ça. Ouais, bim! Bon, je l'ai vu parce que Wattel, elle l'a écrit en vrai. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a un truc, il y a un rapport. Il y a un rapport. Oh! On a quelque chose qui se dessine! George Hurst était au courant de certaines disparitions dans le cadre du programme social éducation. Ouais, je pense. Je pense qu'il savait. En vrai, je pense qu'il savait. Après, est-ce qu'il savait au début, ça? Je sais pas, tu vois, mais... Au début, il savait, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire? On y voit déjà un plan le plus clair, hein. Oh oui! Dis donc! Eh, on a trouvé plein de trucs, hein. Pourquoi il a fait ce travail s'il savait que c'était dangereux au point de le conduire à la tombe? Bah, il avait plus d'argent, il avait son fils qui avait faim. Il avait pas le choix, hein. Oui, ça, on savait. Ça, c'était pas très difficile non plus. Donc là, lui, il fait rien. Liste d'indigents avec refus. Oh là 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 là, on sait tout, c'est magnifique. S'introduire chez Lord Marsh et trouver des informations sur le programme spécial d'éducation. Ok. Donc faut que je le fasse, quoi. C'est son plan. Il reste plus que ça qui sert à rien. Eh ben écoute, eh, on a bien bossé. Hein, on a bien... C'est une bonne avancée d'indice. Et maintenant, son fils a faim et il est orphelin. Eh, t'es dans le jugement de ouf. Il a fait ce qu'il a pu. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Hein, dis donc. Dis donc, comment on réagirait, nous, hein, si on était pauvres et sans argent et qu'on était désespérés? Grâce au ciel, on est dans un monde ou dans une société où on peut pas le savoir, mais... C'est toujours compliqué, hein. Il n'y avait pas de sécu à l'époque, hein. Tu pouvais mourir de faim. Et pas le RSA, et pas... rien. Toby! T'es bien mon chien, tu vas avoir des bonnes croquettes! Du coup, faut qu'on s'introduise chez l'autre, quoi. Je vais rester habillé comme ça, en vrai, je suis bien. Brave Toby. Le meilleur brave Toby. De tout l'Empire britannique. Ouais, c'est un bon toutou. Bon, bah, du coup, go leur marche, hein. Alors, attends, je regarde juste. Hop. S'introduire chez leur marche, trouver des informations sur le programme spécial d'éducation. Et ben, c'est ce qui nous attend, hein. C'est bon, j'y suis. On y go? J'ai une chanson dans la tête. Oh mais j'ai encore loupé des trucs. Mais ce jeu il me concentre trop. Miss Matosha qui a prolongé son sub, merci beaucoup. Ah non, qui a commencé d'ailleurs, qui est venu sub. Ça je t'avais dit merci. C'est Tornade qui a offert un sub. J'avais pas loupé grand chose. Et il y a, mais quand même, Tornade, merci beaucoup. Mozika qui me fait boire avec l'eau de droit pour Exatoria et pour Rose de Lobel. Hop. Je bois un peu, ça me fait pas de mal. Hop. Ah, fait du bien. Hop là. Oh là là. Oh là là. Aucun doute qu'on le reconnaisse. Holmes, que faites-vous là?
Que manigancez-vous ? Il va falloir que tu l'occupes. Une mission de mon cru. Vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux, pendant que moi, je fouille la maison de marche. C'est le seul moyen d'aider le petit homme. Pauvre Watson ! Je peux passer par la porte ? Je pense pas, hein. C'est peut-être pas très... Ah oui, non, c'est pas discret. Attends, je veux voir quand même si je peux passer là. Ce n'est pas l'entrée la plus discrète. Ouais, d'accord. Vous t'allez derrière. J'ai une chanson dans la tête, disais-je, du coup, que j'ai vue sur TikTok. Mais je saurais pas la chanter, du coup, ça me frustre. C'est un truc comme ça. Watson, il est cool. Ah, bah, il nous connaît. Il sait faire, il sait nous doser. Allez, on passe par la portoune. Oh, on peut regarder. La fenêtre est bien fermée. Ah oui, non. Je pense qu'on va passer par la porte, hein. Je vais quand même regarder l'autre fenêtre. La fenêtre est bien fermée. Donc la porte, quoi. Ouvrez la porte. Oh non, pas les crochets. Je suis nulle au crochet. Bon, bah, c'est rond. Ah, ça ne marche plus. Retirer. Bon, on va essayer, hein. Oh, ça marche! J'ai fait ça toute ma vie. Le dimanche, je cambriole les vieilles. Et après, je les tue. Bon, je rigole. On déconne. On s'amuse. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir Lord Marsh. Parce que t'es un médecin nul, en fait. Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Voilà. On n'a aucune discrétion, là. Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que je suis censée... Ah! J'avais pas compris. Monsieur Holmes? J'avais pas compris. Ça va, ça va, ça va. J'avais pas compris. Voilà, tout de suite. Que puis-je faire pour vous? Faut que je fasse tomber le petit vasounet. Je voudrais voir Lord Marsh. Pourquoi? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Mais c'est tellement pas discret, quoi. Vite, vite. Oh, quel maladroit. Pourriez-vous éviter Je de... dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. J'aime bien Watson. Allons, Fisher. Laissez donc entrer le docteur Watson. Watson, il a un côté sexy bon un peu. Bon travail, Watson. Mais oui, c'est un bon Watson. Oula, on va avoir du travail, là. Oula. Cher Lord Marsh, grâce au programme spécial d'éducation, ma vie a complètement changé. Je ne savais pas comment vous remercier, alors j'ai cueilli cette fleur pour vous. Merci. Ok, ça c'est une meuf qui veut baiser. Okay. Je pensais qu'on pouvait l'ouvrir. Cher Lord Collins, il me semble évident que nous pourrions apprendre bien des choses au sujet de la gestion de l'Empire auprès de ceux que nous piétinons, ces gens que nous laissons dans le besoin et la faim dans les recoins sombres de nos propres villes, ici ou dans nos colonies. Pour le moment, il a l'air sympa. On n'a rien grillé de suspect. À ce jour, et selon mes estimations, le programme spécial d'éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance et leur a permis d'atteindre une position leur permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère. Cela a pu se produire en grande partie grâce à sa sagesse et à la prévoyance de Lord Marsh, un politicien des plus brillants. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, c'était ça que je voulais faire. Je peux y retourner. Attends, RB. C'est peut-être un peu tôt, peut-être que j'examine le reste d'abord. Ah, tableau! Il est accroché de travers. Oh! Attends, je refais. Il y a des traces. Oh là là, on voit les traces. Traces de doigts. Voyons si ce coffre est difficile à ouvrir. Ah, on va jouer avec les petits croche-croche. Docteur, vous étiez impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous J'espère examiner. J'espère pas que j'aille vite. Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu. Tout à fait. Eh bien... Vu sous cet angle, j'accepte. Lui, il se drogue, c'est sûr. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau? Je vous en prie, docteur. Restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose? Je ferai de mon mieux. On va se faire griller, non? Monsieur Holmes? Que faites-vous là? J'avais pas compris.
Mais oui, je sais, ça va, refais-moi jouer. Oh, ça va. Vous comptez casser autre chose? Mais je sais pas où faut que j'aille, moi. Oh, Watson, sans déconner, tu pourrais le garder un petit peu avec toi. Là, 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 caché. Je suis pas là. Y'a personne. Ah, y'a no tir. C'est un minimum, Alice, chez moi. Hein. Qu'est-ce que tu viens foutre là, en fait? Il a juste le... Ça sert à rien. Pourquoi il vient? À quoi ça servait, franchement? Oh, il a pas vu pour le truc, on a eu du bol, hein, qu'il soit con. Putain. Tourner la molette et, repérer la zone qui sonne claire pour trouver la bonne combinaison. Ah, ok. Ok, alors comment je la tourne, la molette? À tourner, ah d'accord. Il y avait quelque chose. Comment je suis trop forte. Bon, après il y a le truc qui est marqué aussi, ça aide. Faut être concentré, hein. C'est jamais au début. Il y a eu un bruit, mais je sais pas si c'était le feu ou... Ah, c'était le feu, je crois. Non, mais c'est trop long, là, hein. On a pas à craquer. On a pas à craquer un coffre-fort, ouais. J'entends rien du tout. Eh, franchement, les bruits derrière, ça aide tellement pas. Oui, c'est le feu, hein, il me semblait bien aussi. Vas-y, je vais de l'autre côté. Je regarde le petit schlouk. Ah, et là, il y avait plus. Oui. Oui, 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 oui. Dernier. Oh, bah lui, il était facile. Oh bah lui, t'as vu comment il a fait clouk. I am a craqueuse de coffre. I am so fort of the craquage de coffre. Ouh, il y a beaucoup de choses. J'admire tellement tous ces pauvres. Quoi? Attends, quoi? J'admire tellement tous ces pauvres. Ils me font une véritable bouffée d'air frais. Communiquer avec eux est un immense plaisir. Et ils sont tellement brillants, pas comme nous. Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils soient lords et nous roturiers. Ah non, c'est sympa en fait. C'est juste pauvre qui est un peu condescendant, mais... Le 7 novembre. Le rendez-vous est donc pour aujourd'hui. Cher Lord Marsh, cette fois le 7 novembre, nous nous retrouvons à Grunstone Hawk. Je joins une carte à cette lettre afin que vous trouviez l'endroit sans mal. Prenons la carte. C'est tout. Ah, c'est tout, il n'y a plus rien. On peut prendre la tunasse. Non, on ne peut pas prendre la tunasse. On peut pas prendre la tunasse, hein. Lord Marsh est un grand chasseur. Je l'aime déjà. C'est... Ah, on a des preuves. On a des... Nous avons des preuves en plus. Ouais. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je reviens en arrière? Ah, voilà. Chasseur invétéré. Bah là, avec ça, je suppose. Nous avons quelque chose. Lord Marsh et ses amis sont des chasseurs habiles et expérimentés. Ça veut dire qu'ils savent se servir d'un fusil. Bande de saligots. Ok, bah écoute, c'est bon, on se casse du coup, hein. Je peux revoir, attends, il y a un autre truc ici. Je peux me cacher ici. Ah oui, non merci, ça j'avais remarqué déjà. Je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe. Ah moi, quand il y a la tunasse... Et où est votre ami, Dr. Watson? Oh... Probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Ah, mince. Pardonnez-moi, my lord, mais je dois vous rappeler votre rendez-vous. Il est déjà l'heure. Oh,
Pardon, Docteur Watson, mais nous sommes attendus. Pouvons-nous vous déposer quelque part? Vous sortez? Je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état. Merci de votre sollicitude, Docteur Watson. Mais la on a pris misère avec le sens, ça, c'est je bien. Je me dois de continuer. Prenez soin de vous, Lord Marsh. Docteur Fisher, je vous enverrai mon diagnostic. Merci à vous, docteur. Au revoir. Il nous fout à la porte quand même salement, hein. C'est... Oui, c'est vrai que c'est pas Bigby, je peux pas le faire voler de l'argent. C'est dommage. C'est dommage. Ah, moi, je pense qu'il sait qu'il va crever. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Genre, il accepte pas d'autre avis médical, il crache du sang, c'est très bien, c'est pas une grippe. Il a pas l'air d'être con. Non, je pense plutôt que Claude, justement, il sait qu'il va crever, il fait de la merde parce que, tu sais, c'est genre le milliardaire qui s'ennuie, quoi. Je pense, hein. C'est trop classique, quoi. Bonne idée, Matt. Alors, attends, déjà, un truc qui m'intrigue, parce que vous m'avez dit, il y a un truc dans les indices qui sont pas la même couleur. Non, j'ai pas de truc de la... Non, non, tout est de la bonne couleur. Ah, celui-là. Ah, ça veut peut-être dire que j'ai le choix, je pense. C'est juste que j'ai deux options. En fait, quand il y a deux couleurs, c'est que j'ai deux options. Je pense que c'est plutôt ça. Il a dit, j'ai plus qu'invitation. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais confiance à Marsh, moi peut-être à tort, mais j'ai moins confiance en son docteur. Ah bah le docteur en fait il est trop ouvertement connard je trouve. Justement. Après c'est peut-être moi qui suis trop dans le... Dans la suspicion hein. Certaines preuves utilisables dans l'enquête sont indiquées par des icônes spécifiques. Ah! Ah non non c'est pas ça que je voulais faire du tout. Pardon. Hop. Genre le mouchoir de Lord Marsh. Ah! Et le morceau de carte. Consultez les archives et analysez. D'accord, bah on va travailler un petit peu. Watson, que faites-vous à ma table? Je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh. C'est un médecin consciencieux, hein? J'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie. Sa toux, ainsi que sa fièvre et les puissances antalgiques qu'il prend, me font penser qu'il est gravement atteint. Mais il crache du sang, quoi. Si tu changes entre deux choix dans les déductions, tu peux faire des connexions différentes. Ah oui, ouais, ça me paraît logique, Louisana. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire, moi, avec ça? Étudions ceci de plus près. Ok. LT focus. Ah, d'accord. RT et LT. Des gouttes de sang dans les expectorations. Focus de l'époque, hein. Un échantillon pour l'examiner au microscope. Un échantillon. Ah, oh, c'est moi qui fais ça. Oh, c'est dégueulasse. Ah bah, ça a bien étalé, dis donc. Vas-y, on colorons prend. Colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques. D'accord. J'ai besoin d'une pipette. Une pipette. Oh, mais voyons, t'as pas besoin de moi pour ça. Hein. En du rose, c'est bien le rose. Un petit peu de rose. Pioup. Pioup. Ah oui, on voit mieux. Un petit peu de transparent. Kitchen Wolf, c'est ça. Genre, c'est peut-être une grippe. Non, je crois pas, non. Et enfin, du violet. J'aime bien ma façon de voir très Covid. Ouais, c'est ça. Bien. Étudions l'échantillon coloré sous le microscope. Vas-y, je te suis, chou. Je suis pas fan de l'idée de voir ça de près, mais je te fais confiance. Wow. Étudie attentivement l'échantillon pour trouver des éléments inhabituels. D'accord. Oh, il y a des petits vers. Oh. Une mycobactérie. Lord Marsh est bel et bien gravement malade. Allez, non, moi, de scientifique à mal. Tu m'étonnes. Comme je le craignais. Lord Marsh est atteint de tuberculose. Bah bon, vraiment? Oui. Il va t'en foutre? Holmes, il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium. Et pourtant, Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher. Intéressant. Mais pourquoi? C'est toute la question, Watson. Moi, je pense... Oh, mais... Mon Dieu. Vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres? C'est terrible.
J'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Holmes, je vous demande d'être très prudent. Et le fait qu'on fréquente nous risque pas de le choper ? Cette maladie est extrêmement contagieuse. N'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit. Ah, parce que c'est plus contagieux pour les femmes ? Je ne connais pas la tuberculose. Je connais la scarlatine, grâce au café de Dr. Marsh qui m'a traumatisée. Mais je ne connais pas la tuberculose. Merci, Miss Alice. À plus tard. À bientôt, Kathleen. Notre fille Sarkozy. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Notre voisine m'a prêté un livre. Elle est si gentille. Je crois qu'elle vous aime bien. Dracula ? Ça, j'en doute. Alors, votre enquête, comment ça se passe ? Ça va. Dracula. Oui, voilà. Oui. Au pensionnat, je n'ai pas le droit de le lire, vous savez. Bien, bien. Il a l'air de s'en foutre. Mais t'as raison, profite, hein. C'est passionnant. Ah bah, ça va démoustiller avant de dormir, moi, ma fille, je te le dis, hein. Elle est mignonne. Et donc, du coup, Ah, n'empêche, Dracula, pour l'époque, ça devait être une lecture sacrément érotique, hein. Alors, consultez les archives. Faut-il que ton combat soit à sang ou lui lécher le sang? Ah, d'accord, ok, faut vraiment du sang, quoi. Je comprends pas pourquoi ils font une fixette sur les femmes, du coup. Morceau de carte. Il me faut de la carte, quoi. Il me faut de la map. Non. Bah, j'aurais dit plutôt sur la carte qu'on a, non? Attends. Là? C'est pas possible, là? Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Ok, moi j'aurais dit là, mais non, d'accord, très bien. Très bien. Ah, il veut peut-être se renseigner sur le quartier. Genre ce que c'est comme quartier. Criminalistique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas les dates. Si c'est érotique pour l'époque, on laisse vraiment la gamine lire maintenant. Mais oui, il faut bien qu'elle apprenne ce que c'est que la vie. Oh là là, tout de suite. Je sais pas où je quoi chercher là. Grunstonhook. Merde, je voulais pas quitter. Je ne voulais pas. Dans botanique. Ah ouais. D'accord. Ah oui, faut voir la... oui, d'accord. Grunstonhook, le chêne de Grunston, est un arbre étrange et mystérieux qui pousse dans la forêt des Kings. L'origine de son nom est inconnue, mais de nombreuses légendes et fables en font mention. Certains disent que pendant des siècles, les sorcières ont effectué leur cérémonie près de cet arbre et qu'en raison de ces rituels, quiconque touche le tronc de Grunstonhook sera maudit à jamais. Sauf si on est soi-même une sorcière. Et voilà. Et voilà, il est content. Grunstonhook se trouve dans la forêt des Pings. C'est l'endroit indiqué sur la carte de George Hurst. Oui. Et maintenant, faut qu'on aille à Grunstonhook. D'accord. Bah, je suis pas plus avancée que ça, hein. Ah, je peux encore aller là-dessus? Ma table d'analyse. Ah oui, non. Elle me sert pour mon travail. Bah... Grunstonhook, hein. Ah, faut que j'aille... Ah, c'est maintenant qu'il y a la petite... Ah, voilà. Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte. Ah non, pas ça. Je déteste ça. Oh non. Ah non, ça va, ils me mettent pas trop haut. Enfin, je crois que je peux pas aller plus bas. Alors, attends. Ah si, je peux bouger. Oh putain, au secours. Oh, c'est une tannée. Oh, je déteste les cartes. Bon, alors, il y a plein de chemins. Ah ben, on est bien, tiens. Moi, j'aurais dit, c'est pas dans la ville. J'aurais dit, tiens, la tête. Et le truc, là. Est-ce que ça se rend pas? Oh! Et voilà. Bon sang. Il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt. Oh, j'ai trouvé! J'ai trouvé! C'est ça, Alice! C'est le jeu de GeoGuessr. Les streams dessus, ça a servi. Papa, ce garçon, Wiggins, il vient souvent ici? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. Eh ben, ma fille! J'aimerais bien lui parler. Lui parler? Oh, papa! À l'école, il n'y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Elle veut se pécho, Wiggins! Elle veut se pécho, Gavroche! Il a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Complice, bien sûr, ma fille. Pêche au Gavroche, il devient mon beau-fils. Attends, on fera une super équipe, ça sera le Robin de mon Batman. Non, oh, Kate, je te connais. Tu vas lui faire peur et il n'osera plus remettre les pieds je ici. Je vais lui faire peur. Elle ressemble vraiment à Sarkozy. Je suis désolée. Oh, Kate. Bon, très bien, je vous laisse. Oh, mais non. Mais t'es bien, pêche-le. Oh, on peut pas faire le père ouvert d'esprit, non. On est obligé de jouer le vieux con.
Et ma fille, elle baisera pas avant ses 14 ans, hein. Oh, ça va, hein, oh. Carte et invitation, bim. D'accord, bah... Ah, il était au courant. Ah bon? Ah bah oui, parce que c'était lui. Ah, il est malin. C'est malin. Et c'est quoi là-dedans? Ça se trouve, ça, je me suis foirée, du coup, c'est ça? Je peux pas annuler les indices, je crois pas. Ok, bah de toute façon on va dans la forêt donc c'est bon, elle a lu Dracula, elle se croit pareil pour la drague. Désolée, mais tu vas rester libre jusqu'à tes 25 ans. Elle a même pas lu Dracula encore. Elle veut le lire. C'est pas pareil. Forêt d'épingle, allez. Attends, faut peut-être que je me change. Oh, quoique là, je suis bien pour une petite rando là. C'est bien pour la forêt ça. Ça fait un peu Cambrousman, c'est très bien. Forêt d'épingle. Je sens que ça va être là ma course poursuite. Je. Une forêt la nuit. C'est. Ah mais j'ai une Dracula, ça donne trop des idées de cucu, hein. Ah mais la jeune fille et Gavroche, un pauvre Gavroche, il mérite une meuf plus jolie quand même. C'est le sosie de Sarkozy, mais j'imagine la tête des gosses. En vrai, je dis ça, mais notre fille, elle est bien. Puis lui, il est beau, donc ça fera ça, comme ça, on aura des petits-enfants intelligents et beaux. Cumule des qualités. Ah, on s'est fait tirer dessus. Non mais là, c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui ai... Non mais tout de suite, là, comme ça, bim. Je peux pas avoir au moins l'explication, genre il a vu quoi On s'est fait tirer dessus comme un lapin. Ah, faut que je parte. Ok, bah quittez l'abri alors. D'accord, je suis en course poursuite, mais je sais pas où je suis censée aller. Ah. Bah non, je vais pas m'abriter moi. Pourquoi tu veux que je m'abrite, je cours. Ah, parce que je suis fatiguée, ok. Ok, faut que je me repose. Faut juste au milieu entre se reposer et courir. Et on court. J'ai vu quelque chose bouger. Ça va, c'est pas trop dur. Ouais, c'est pas trop dur sauf s'il me tire dessus, hein. Ah, je suis fatiguée. Le plus facile, bah je dirais le rocher, hein. Par contre, faut que je me repose là. Abri. Ah, c'est bon, ça va aller. Il est grave loin là. Ouh. Cache. Pousse. Non. C'est moi ou il est super loin là? Voilà, c'est bon, on se repose. Là il est super loin, non, on est d'accord. Bon, allez, ça encore. En vrai je stresse pas trop. Faut juste pas qu'il me tire dessus. C'est pas très cool de se faire tirer dessus. On respire, tout va bien. L'abri protège même si tu as l'impression qu'il te touche. Ok, c'est bon à savoir. Je sais pas où je suis censée vraiment aller, mais j'y vais. Abri. Hey, il se rapproche, Coco là. Ah, faut que je choisisse. Je dirais chemin creux. Ah non, descente. Wow. Et je fais le bon choix. Bah descente, je me suis dit c'est plus rapide. Que bloqué par un arbre, c'est pas fou. Il a l'air très très calme sur lui quand même. Il maîtrise la situation, hein, Sherlock. Hein. Ah, ça fait bobo. Bah oui, bah en même temps, qu'est-ce que t'as foutu? Moi, tu me dis pas les choses, tu vas comme ça. Ah, c'est pas fini. Wow, un mort. Il était pauvre. C'est tout ce que t'as... Ok, bah c'est rapide comme constat. Cet homme a été tué récemment. Le corps est encore chaud. Oh putain. C'est les volontaires. Trouvez-le. Bouge. Ah, c'est pas fini. C'est les volontaires. Ils se sont tués comme des lapins. Wow, où je vais? Je sais pas où je vais. C'est bon, j'y vais. Je regardais pas le truc. Cache. Oh là là, il se rapproche. Faut qu'il se repose, vas-y. J'ai vu quelque chose. Il tire les pauvres, putain, les enfoirés. C'est leur bestiole, quoi. Allez, on le resème, c'est bien. Ouais.
Allez, hop, vite. J'ai vu quelque chose. Désolé, je suis concentrée, là, je vous lis pas. Hautes herbes, odeur de... hautes herbes. Odeur de marécage ébouli. Ah, bah non, alors. Grosse pierre. Ouais, bah grosse pierre, hein. On fout de la grosse pierre. Hein. Mode détective, c'est quoi déjà? Je crois que je me suis noyée. Mais j'avoue, c'est pas moi. Hein. J'arrive pas à voir la visite qu'ils disent. Peut-être que j'aille plus de l'autre côté. Non, non, là, il y a de la flotte. Attends, faut que je comprenne. Comment je fais pour avoir le mode qu'il faut? RB. Ah, c'est pour ça, je fais pas le bon. Bah si. Attends. Bah non. Il se passe rien. J'appuie sur RB, mais il se passe rien. J'ai rien du tout niveau. J'ai rien du tout qui. C'est bizarre. Ah, ok. Ah, ok, c'est bon. Putain, c'est trop bizarre, ça s'affichait pas. Mais je l'ai pas. Ah, mais je l'ai pas tout le temps. Ah, mais là, je peux plus cliquer dessus en fait. Attends, mais c'est super dur. Genre, de mémoriser du début. Ok, mais... Pendant que vous êtes à couvert, pour couvrir bataille... Ah d'accord, ok. Faut que je me mette à l'abri, ok, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Putain, c'est pas évident, hein. Cache-toi. Ah merde. Ah, j'étais pas caché. Cache-toi. Il veut pas se cacher, il est con. Attends, 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 pas de panique. Panique un peu. Je crois que ça sera pas pour cette fois-ci encore. Hein. Ouais, bon. Quitte à mourir, autant mourir noyé. Hein. Il y a des petits rochers pour pas tomber. Ouais, ouais, mais j'ai compris, j'ai compris. Il faut juste que... Attends, faut se cacher. Il faut juste le temps que je visualise le truc. Ok, je pars de là et je vis jusqu'à là. Ok. Ok. Hop. Là, je vais jusqu'au caillou. Et cette fois-ci, j'arrive à me cacher dessus, ça serait bien. Je sais pas pourquoi il me l'a pas pris. Est-ce que je peux me cacher là normalement? Oui, il veut pas tout le temps en fait. Ah voilà, là. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Recache-toi. À cet endroit-là, il est redoutable. Hein. Ok. Donc là, on va ici, ici. Ok. Tout droit. Très bien. On suit les espèces de grosses herbes, là. Est-ce que je peux atteindre ce truc là? Oui. Non, pas dans l'eau, pas dans l'eau! Oh, c'est super relou sa mère! Oh putain, il n'y a même pas de truc de sauvegarde au milieu quoi! Vas-y, je vais essayer de partir de l'autre côté hein! Parce que là, c'est trop chiant! Hein. C'est pas forcément une bonne idée de partir de l'autre côté hein! Parce que du coup, là, je commençais un peu à connaître le chemin. Là, je repars dans l'inconnu total. Ok, donc là on va jusqu'au gros arbre. Enfin, le gros arbre il est visible. C'est grave chiant. En vrai. On se cache. Jusqu'au gros caillou. Ok, alors il y a une petite variation ici. Voilà. Se cacher.
Ok. Mais là, ça me fait retourner là-bas? Mais non, il y a un chemin que je dois prendre particulièrement ou... Ok, bon, en tout cas, on va aller là. Au moins jusqu'au prochain. Parce que là, j'ai l'impression que je retourne de là où je viens, en fait. Ouais, j'ai pas le choix, en fait. Faut que j'aille à l'arbri là-bas. Ok. Ok, donc là on va à l'arbre ici. Moi c'est tout droit. Ouh, j'ai eu chaud au cul. Alors là il y a une petite boucle. Ok. Ok, donc là jusqu'à l'arbre. Ok. Vous savez, je suis concentrée, hein. J'ai pas envie de remourir, vraiment pas. Ah, ça fait bobo. Désolé, désolé, désolé. Je pouvais pas être partout. Ok. Je vois pas où on est censé aller, en fait. Jusque là-bas. J'ai l'impression de revenir au point de départ, c'est un peu décourageant. Ok, donc là il y a le chemin. J'ai passé. Ok, on l'a bien distancé là. Repose-toi, repose-toi. Ça, c'est long, je préfère être sur terre, cela dit. Hein. Wow. Ah, moi, c'est pas moi, là. Il le fait tout seul comme un grand. Vous n'irez pas loin. Eh ben, on continue, hein. Un autre mort. Il est pauvre aussi, lui. Il est mort d'une balle en plein front. Ah, j'ai pas de chance. On peut pas dire que Sherlock il se mouille pas, hein. C'est lui. C'est le corps de Lord Harrington. C'est le corps de Lord Harrington? Ah, mon état se dégrade. Il faut que je pense ma blessure. Ok. Oh la vache, c'était dur! Merci, Mahana! Donc je me casse, là, hein. Si tu t'habillais en smoking, ils tiraient quand même. Ah, j'avoue, bonne question. Bah, j'espère quand même. Genre, Lord Harrington, c'est un bourge, et puis ils l'ont tiré dessus comme un lapin. Hein. Ça va, il est 42, j'oublie pas ma mission à 19h. Oh là là. Compliqué, hein, tout ça. Hein. Eh, on a réussi, en tout cas. Tu peux me cacher ici. Tu peux te cacher. Ok, mais j'espère que t'auras pas besoin de te cacher. J'aimerais que tu te soignes. Mais ils chassent tout le monde, du coup j'arrive pas à comprendre au final. S'ils chassent pas ceux au taf spécial. J'avoue, je comprends pas non plus. Ah, c'est là. Le Quatermain Club. C'est sans doute la cabane de Lord Marsh. Ah, on n'est pas vraiment au meilleur endroit du coup. Bah faut te soigner. Ceci m'aidera à panser ma blessure. Très bien, bah prends-le. Quelqu'un vient. Il faut mieux te cacher. Il faut mieux te cacher. Eh bah vas-y vite. C'est même que tu ponces ta blessure avant, mais. T'es stressant! Respirez, Lord Marsh. C'est bientôt fini. Qui êtes-vous? George Hurst. Oh, il est pas mort! Je suis venu rendre justice. Un ancien soldat. Quelle ironie. Et vous n'avez pas été admis au programme spécial d'éducation. Merci, Kirumi, t'es trop chou. Un ancien soldat blessé ne vous servait à rien. Mais... On dirait un peu double face. Nous avons beaucoup chassé dans ces bois. Je n'aurais jamais cru devenir... la proie. C'est pour ça que l'autre il est mort. J'ai eu une belle vie. Je me suis affranchi des limites fixées par les autres. Je n'implorerai pas votre pitié. Donc c'est bien ça. L'autre, ils ont des chiens, des bouts. Et lui, il s'est rebellé et il les bute. Préparez-vous pour le dernier voyage. C'est pas...
Ah, tu veux pas l'envoyer en prison plutôt? Qu'est-ce que je peux faire? Attends, Y. Déjà, on va faire un petit... Du coup, c'est quoi ça? Donc, du coup, on change. Violence, c'est quoi ça? Et ça, d'accord. Ok. Ok. Comment on revient à RB? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Vengeance. Ah non. Ah non. Quelqu'un a chassé les pauvres et les lords impliqués dans le programme spécial d'éducation. Ouais. George Lord chasse les pauvres et les lords dans la forêt. Lord Marsh et ses amis chassent les pauvres dans la forêt. Oui, c'est ça. Et George Hearst, il s'est... Je suis sûre, c'est ça. Je suis sûre, les lords, ils chassaient les pauvres. Et George Hearst, du coup, il s'est rebellé. Donc là, du coup... George Hearst va faire justice lui-même en ce qui concerne leur marche. Vous pouvez maintenant clore le cas et décider du sort du coupable. Mais attention, les cas permettent toujours plusieurs conclusions. À vous de choisir celle qui vous paraît juste. Marsh chasse des pauvres. Lord Marsh et ses amis chassent les pauvres gens du programme spécial d'éducation. George Hearst veut seulement venger leurs victimes. Condamner Lord Marsh ou condamner Lord Marsh. Lord Marsh est un tueur de sang-froid qui, sous couvert de charité, a utilisé les pauvres comme du gibier. Mettons Lord Marsh en prison où il finira par mourir de tuberculose. Lord Marsh n'a aucune chance de se remettre de sa maladie. Laissons-le mourir chez lui en méditant sur ses crimes. Non, non, mais il va en prison, hein. Il va en prison, hein. Ah oui, oui, ils vont en prison, clairement. Clairement. Hein. Ça demande pas un cas de conscience trop puissant. Hein. George, baissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holt, tiens, tiens. Un adversaire presque valable. Je suis en train d'essayer de te sauver le cul-cul, toi. Mon Tom, si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George, écoutez-moi. Je sais que vous voulez vous venger, mais en tuant Marsh, vous lui donnerez exactement ce qu'il veut. Il mourra, en sachant qu'il a gardé le contrôle de sa vie jusqu'à la fin. Mais si vous le laissez vivre, exactement, il sera arrêté. Condamné, exactement, il connaîtra le pire des châtiments. That's the point. La tuberculose et sa mort lente se chargeront de lui faire vivre l'enfer. Il connaîtra une agonie douloureuse, interminable, derrière les barreaux. Vous êtes fou, aussi fou l'un que l'autre. Allez, allons retrouver Tom. Pas encore. Je vais vous tuer, Lord Marsh, mais pas proprement. Vous allez mourir lentement. T'es devenu ne faites un pas peu ça, George. Détective, regardez. Ah oui. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes atteintes de tuberculose que vous avez contracté la maladie. Ce n'est que justice. Ah mais grave. Vous ne comprendrez jamais. On ne peut sauver tous ces gens sans sacrifice. Mais ne me laissez pas mourir comme ça, Holmes. Tuez-moi. Tu peux faire quelque chose, moi? Non, 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 mais attends. Non, non, mais je... Monsieur Hearst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, pas, je l'espère, Lord Collins et le Dr Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. Quoi? C'est pas ça que j'avais en tête du tout? En vrai, je vais rejouer la fin, c'est juste que j'ai pas pu tirer, mais en vrai, je sais pas ce que je ferai. Lord Marsh est un tueur de sang-froid qui n'accorde aucune valeur à la vie des pauvres. Il estime avoir le droit de vie ou de mort sur ses gens, il mérite son sort. En vrai, si c'est où je condamne Lord Marsh, où je condamne le mec, je préfère condamner Lord Marsh. Mais l'autre, l'autre, il mérite pas non plus de rester. Faut l'arrêter aussi, l'autre, en fait. C'est quoi la conclusion? Vas-y, vérifie la conclusion. Je sais pas quoi en penser, hein. Je suis pas satisfaite en vrai, hein. Pour moi, t'arrêtes les deux, en fait.
Ou à la limite, si le père de Tom, il était pas dingue, tu l'arrêtes pas, mais bon, tu trouves un arrangement, genre tu le trouves un taf, tu vois, pour qu'il s'occupe de Tom. Mais là, il est devenu fou, manifestement, quoi. Donc, essaie de tirer sur le père et vois ce que ça donne. Ouais, mais non, après l'autre, tu vas faire... tu vois, j'ai pas envie non plus. En vrai, y a rien qui me satisfait, quoi. Parce qu'après, je peux tirer sur Lord Marsh, mais du coup, l'autre, il va juste avoir le seum, ça va rien changer, puis en plus, j'ai du sang sur les mains, j'ai pas envie. Bah, on reste comme ça, hein. Mais... ouais, on peut pas dire que je suis spécialement satisfaite, hein. Franchement, Fou, non, je pense qu'il est hors de lui et qu'il veut régler ça seul, parce qu'il s'est fait chasser comme un animal, mais je sais pas s'il est dingue. Je sais pas, la façon dont il le dit, C'est très mise en question avec la musique, ça me tue, j'avoue. C'est pas. Bon, en tout cas, bah allez, on classe l'affaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autre fin possible. Ouais, c'est peut-être un peu blason, tu sais. Genre, il n'y a pas de fin. Les trois choix sont pas ouf. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas convaincue non plus. Allez, on classe l'affaire. Attention, en terminant ce cas, vous effacerez les sauvegardes de ce chapitre. Choisissez non pour essayer une autre fin. Ou oui, si votre choix vous convient, vous êtes prêt à commencer une nouvelle enquête. Allez, laissons comme ça. Laissons comme ça, le chasseur devient la proie. C'est ce qui me semble le plus juste, si vraiment il y a un choix à faire, quoi. Il est pas dingue, juste en colère. Je sais pas, Matt, hein. Je sais pas. Forcément, tu tues 5 personnes de sang-froid, tu deviens un peu fou, hein, je pense. Tu peux pas t'en sortir en mode tout va bien. C'est pas possible. You see. C'est intéressant, en tout cas. Par contre... non, 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 non. On va clairement s'arrêter là, puisqu'il est 18h51. Et que donc, il est temps de s'arrêter, puisque j'ai rendez-vous à 19h pour m'acheter quelque chose. Donc, écoutez, c'était... ah, par contre, le bruit est chiant. C'était super cool et perturbant à la fois. J'ai mi-géré, mi-pas-géré pour la course-poursuite. Au début, j'étais très confiant. La partie du marécage, elle m'a tué, hein. Du coup, plein de bisous, on se retrouve pour la suite, pour la deuxième enquête, du coup, la semaine prochaine. Sans doute vers 18h, mais je vous dirai ça sur Insta comme d'hab d'ici là. Plein de bisous, on se retrouve demain matin à YouTube à 6h30 pour une vidéo surprise. Et sans doute pour un stream dans l'après-midi, je vous dirai ça aussi. Bisous, bisous tout plein. Tu t'en es plutôt bien sorti, on est d'accord.